Coucou à tous. Alors aujourd'hui je viens pour une vidéo haul Yves Rocher. Bon, ça fait un moment que j'ai fait cette commande. J'en ai eu pour pas beaucoup. Donc je fais une commande, voilà. Carton. Alors j'en avais pour. Je vais dire ça fait un petit moment. Donc j'en avais pour 19,07 €. Donc je vais commencer par le gel main premier flocon. Ouais, c'est ça. Premier flocon. Donc, gel lavant-main. Alors, on a 190 millilitres à l'intérieur. On s'est encore collé son hier, vous voyez. Donc, j'ai pris ça. Et puis, ça a l'air de sentir bon. En fait, les produits brochés, ils sont bons. Ouais, ça sent super bon. Donc, c'est pour se laver les mains. Donc, comme ça, on pompe. Et ça, je l'avais payé 1,75 €. Ensuite, j'ai pris un après-shampoing texturisant. C'est ça. Après-shampoing texturisant, cheveux fins, vu que j'ai des cheveux fins. Extrait de mauve, sans silicone, sans colorant, sans parabène. Ça donne du volume, hein. Donc, voilà. Ici, qui est comme ça. Et il fait 150 ml. Voilà, je vais voir si je peux le sentir. J'essaie de l'ouvrir. J'y arrive pas. Pas trop d'odeur. Voilà. Et je l'ai payé 1,95 €. Ensuite, un éco-shampoing Love My Planet. Éco-shampoing Love My Planet. Celui-ci, hein. Donc c'est shampoing concentré, tout type de cheveux, usage fréquent, 30 shampoings. I love my planet sans silicone. J'ai broché, donc c'est celui-ci. Voilà. Et on a dedans, on a 100 ml. Et celui-ci, je l'ai payé 1,95 € aussi. Donc la ST, je ne connais pas. Hein. Ce que j'aime bien chez Yves Rocher, c'est les petits gels douche là, concentrés, ils sentent super bon. Hop, il y en a, je vais m'en prendre sur le nez, c'est génial. Bah, ça sent super bon. Ça sent vraiment très bon. Et ça, c'est un shampoing concentré, ouais. Il n'y a pas l'odeur écrite. Donc, ça doit être au fruit. Ça sent super bon. Hein. Donc, 1,95 € aussi. Ensuite, j'ai pris Recharge Gel Douche Amamélis. Donc, c'est ça. Ça, c'est pas cher non plus. C'était 1,25 €. Et ça a la Mamélis. Et c'est pour peau sensible. Donc, ça a rechargé. Hein. Et vous avez 250 ml dedans. Et ceux-là, franchement, ils sont bien. C'est bien pour les recharges, pour les pompes, flacons pompes pour les laver les mains. Ensuite, un cœur des sapins, j'ai payé 1,49 €. Donc, je l'ai testé et je l'aime pas. Elle m'a brûlé les mains, si vous voyez l'état de mes mains aussi, hein, bon, avec les désinfections que je dois faire. Ce virus à la con. Bon, je vais chercher la crème que j'ai testée tout à l'heure. Donc, c'est celle-là. J'ai payé 1,47 € et donc, c'est la collection hiver. Hein. Ça fait un moment que je l'ai, hein, cette commande. Hein. Donc, c'est une crème main. Hein. On a 75 ml dedans. Et c'est une crème hydratante main au parfum ressourçant de bois et d'agrumes. Donc, il y a écrit aux huiles essentielles de cèdre et d'orange. Effectivement, elles sont super bonnes. Au beurre de karité bio équitable. À l'eau de bleuet issue de l'agriculture bio. À l'huile de macadamia. Cette formule contient plus de 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Et il m'a brûlé la main en fait. Donc je suis pas fan. Donc ce truc-là, je peux vous dire que déjà je ne le rachèterai pas. Voilà. Bon après il est bien. Hein, si vous avez peut-être pas de crevasses ou pas de gerçures sur les mains, je sais pas. Mais moi en tout cas je ne supporte pas. Et je vous ai dit le prix de ce gel, de cette crème. Ouais, 1,47 €. Hein, ouais. Ensuite gel main au cœur des sapins. Attendez. La crème et gel main au cœur des sapins. Il est où gel main?
Et celui-ci, il était à 1,75 €. Voilà. Et c'est un gel lavement. Il y a 190 ml dedans. Ouais, celui-là, il sent vraiment le sapin, en fait. C'est vraiment l'odeur du sapin. Voilà. Donc, c'est au cœur des sapins, mais ça sent vraiment le sapin. Donc, 190 ml et donc 1,75 €. Ouais. Ensuite, j'ai pris un baume lèvres corps cœur des sapins. Donc, celui-là, je l'ai payé 1,10 centimes. Au cœur des sapins aussi, hein. C'est un baume lèvres nourrissant. Comme ça, si le packaging, il est tout mignon, tout mignon. Et voilà. Effectivement, ça sent le sapin. Un jour mais pour voir. Sur les lèvres, il n'a pas la même odeur. Il a plus un goût de parfum. Mais ça va, j'aime bien. Des fois, le parfum, moi, ça me dérange. C'est pour ça que moi, je suis fan des labellos, les bleus. Les labellos bleus, 1,10 centimes. Ensuite, j'ai pris un gel douche muguet en fleurs. Ouais, c'est ça, ouais. Muguet en fleurs gel douche. On a 200 ml à l'intérieur. Et je l'ai payé combien? 1,95. Pas que ça gicle, là. Effectivement, ça sent le muguet. C'est génial. J'adore. Donc voilà, très beau produit. Tout ce qui est gel main, gel douche, en mini format ou en grand format, il n'y a pas à dire, j'adore. Le petit. Ça me dérange un peu le goût du parfum sur les lèvres, ça me dérange un peu parce que j'ai l'habitude du labello sans parfum, bien sûr, le bleu. Ensuite, ce qui me dérange, c'est la crème pour les mains qui m'a brûlé quand même les mains vu que je les ai fragiles, alors que c'est censé soigner les mains, mais ça m'a brûlé, donc je sais que je vais plus le racheter, c'est même pas la peine. Hein. Je vais rester sur les produits de chez DM en Allemagne, mais pour l'instant, comme tout est fermé, je ne peux pas en chercher, mais j'irai. Quant à ces produits, je les testerai et je vous en dirai des nouvelles. Tout ce qui est gel main, gel douche, vous pouvez foncer. Moi, franchement, j'adore. À part le vanille, ça commence. Pour les mains, ça va. Les gels douche, enfin les gels douche, les gels main en pompe comme ça, vanille, ça passe. Juste pour se laver les mains. Un peu le corps, ça passe plus. Je supporte. À la vanille, c'est fini. Ensuite, j'ai pris des cotons démaquillants à 1,95. Parce que j'en avais plus, en fait, j'en avais repris. Donc 100% coton, ultra doux, il y en a 80 à l'intérieur. 1,95, j'ai payé, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc j'ai pris ça basique, hein. C'est des cotons démaquillants et un sac de sport. Surtout. Ouais, c'est pour faire des sorties et tout ça, ouais, c'est ça. Donc, il se présente comme ça. Voilà. Donc, à l'intérieur, il est assez grand, mais c'est bien pour sortir avec les enfants et tout, mettre les casseroles et tout ça. Donc, pour le moment, on est confiné, hein. En espérant que tout va aller mieux. Voilà, c'est vraiment comme ça. Il est super léger. Donc, on a des anses. Une grande anse comme ceci, la merde, à régler. Voilà, vous la réglez. Vous avez, je pense qui est pas mal, c'est ça, là, le scratch, là, vous voyez. On a un scratch comme ça, ça va tenir. Voilà. Devant, encore une poche, ranger les choses. Voilà. Franchement, moi, il va me servir, ça, je suis non, ça va. Ça sert toujours pour les sorties. Hein. Voilà, donc apparemment, je l'ai. C'est un sac de sport, je vois pas. Moi, je vais le prendre plutôt pour faire des sorties, des choses comme ça, hein, avec les enfants, quand on pourra de nouveau sortir. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien, hein, que tout se passe bien chez vous. Vous pouvez me le dire en commentaire. J'espère que votre famille va bien, que tout le monde va bien. Voilà, j'espère que tout va bien. De mon côté, tout le monde va bien. On se protège, on désinfecte tout, on fait attention. Donc, on sort pas, on est confiné, on n'est pas avec d'autres personnes. On téléphone à la famille, on s'écrit, on s'appelle. Heureusement qu'il y a Internet. Hein. Et puis voilà. Donc, je vais continuer.
Ensuite, en cadeau, voilà. J'ai une dose d'essai élixir. Une dose d'essai. D'essai. Oh, j'ai appuyé. Pardon. Dose d'essai élixir. Hop, laissez tomber. Dose d'essai élixir. Donc, élixir. Alors, c'est lequel? C'est celui-là. Donc, élixir jeunesse sérum. Essence double action, réparation, plus anti-pollution, double action, essence. Donc, c'est ceci. Un petit échantillon. Ensuite, un petit hydragel végétal, gel, crème, hydratation non-stop 48 heures. Voilà. Et une eau de parfum sable fauve. Voilà. Et puis, en cadeau, surprise, j'ai reçu un masque hydra végétal intense. Ça, je voulais tester. Végétal. Masque hydratation intense à la sève végétale hydrocaptrice. Ok, on a 75 ml dedans. Et c'est pour peau normale à mixte. Voilà. Et ça, pareil, je vais tester. Donc, hydrate et ressource intensément la peau. Parce que ma peau, là, à force de me moucher et tout, elle se dessèche. Mais c'est dû à l'allergie. Je le répète, je ne suis pas malade. Tout va bien. Touchons du bois. Alors, sur le visage, laissez poser 5 minutes, puis retirez le surplus à l'aide d'un coton. Ça veut dire qu'il ne faut pas le rincer. Hein. Il faut juste enlever avec un coton hein, le surplus. Évitez le contour des yeux, formule testée sous dermatologue. Là, voilà. Et puis ça. Oh, punaise. Ça sent super bon. Ah ouais, ça sent super bon. Et en fait, vous voyez, c'est une crème hyper, hyper légère. Toute, on dirait comme de l'eau, en fait, qui s'étale. Ça sent super bon. Celle-là doit bien hydrater, à mon avis. Elle est agréable. Ouais. Elle sent super bon. Voilà. Et donc, le surplus, après, il faut l'enlever avec un coton. Et ben voilà pour ma vidéo. Yves Rocher, c'est fini. Voilà, voilà. Donc, j'en ai pour 19 et quelques. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Protégez-vous bien, ne sortez pas, restez chez vous, protégez votre famille, désinfectez-vous bien les mains, prenez des nouvelles de vos proches. Et puis, si cette vidéo vous a plu, bah, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Et puis plus tard, au cas où ceux qui regardent cette vidéo, je pense que je vais faire un live à 23h30, une fois que j'aurai fait cette vidéo, une fois que j'aurai mis en ligne. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci à tous, tous mes fidèles, hein, mes fidèles abonnés, et puis à ceux qui viennent d'arriver. Bisous, ciao, ciao.